AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique Cannes. OneXBet, sponsor officiel de la Cannes. Vous regardez le JT Cannes avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT Cannes Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. À quelques heures de la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Patrice Motsepe, président de la CAF, a dressé le bilan de la compétition. Face à la presse le 9 février 2024, le patron de la CAF a déclaré que la CAN Côte d'Ivoire 2023 est la meilleure que le continent n'ait jamais connue. Je voudrais remercier le président Ouattara pour ce qu'il a fait. Cette CAN est la meilleure de toute l'histoire de la CAF. 80 pays suivent la CAN. Nous devons être fiers d'avoir organisé une compétition de cette qualité. Le président de la Confédération africaine de football a également dit sa satisfaction quant à la montée en puissance de certaines nations, les soi-disant petites nations de football. Selon lui, cela résulte entre autres de l'accompagnement équitable des fédérations dans le développement et la valorisation du football africain. La CAF donne à chacune de ses associations membres 250 000 dollars par an. Nous allons nous assurer que cet argent est utilisé pour le développement du football. S'agissant de la prochaine édition prévue en 2025 au Maroc, le président de la CAF n'a pas souhaité s'étendre sur la rumeur annonçant un probable glissement de date en juillet 2026. Andrew Cole, Maxwell Kabina, Emmanuel Eboué, Ronaldinho, Paoletta, Didier Okocha et plus d'une centaine d'autres légendes ont confirmé leur participation au championnat du monde des clubs de vétérans qui se déroulera du 1er au 10 septembre 2024 au Rwanda. Hommes et femmes légendes du football, bien qu'ayant rangé leurs crampons, se réuniront pour disputer la compétition et aborder des sujets tels que la paix, l'éducation, le tourisme, la santé et les affaires dans le sport. Vous avez vu Cole dans la salle, Patrick Mbouma et les autres qui sont là. Il y a Ronaldinho et les autres qui ont déjà donné leur accord. Là, nous sommes en train de travailler pour compléter la phase des véritablement ces 150 légendes. Mais je crois que le message est passé parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une légende qui résiste au Vétérans Club World Championship. Au-delà de la compétition, les organisateurs envisagent de soutenir les anciens footballeurs dans la gestion de leur carrière et aider les joueurs en activité à préparer leur retraite. À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, plusieurs légendes telles que Paoletta, ainsi que des entrepreneurs, des professionnels des médias et des diplomates se sont réunis pour discuter des enjeux liés à cette compétition. L'apport des légendes aujourd'hui, c'est que les légendes sont en train de créer des académies, beaucoup ont des responsabilités dans des fédérations, beaucoup aujourd'hui sont en train de donner aussi de leurs compétences pour, au travers de leur formation pour développer le football africain. Maintenant, nous allons, avec l'écosystème, encore augmenter la plus-value de ce que, du potentiel des légendes pour le développement de l'écosystème au niveau du continent. Le championnat du monde des clubs de vétérans est une plateforme mondiale dont le but est de permettre à des vétérans renommés du sport de se connecter, de collaborer et de contribuer au développement durable. L'événement réunira 150 légendes du football de toutes les régions du monde pendant 10 jours pour participer à un tournoi de légendes ainsi qu'à 5 forums économiques.
C'est parti pour la première édition du Forum africain Sport Tourisme, organisé à marge de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 23. Une édition qui a réussi tous ses paris. L'Africa Investment Forum 2023 a d'ailleurs mis en avant le sport comme un secteur clé pour la croissance économique du continent. L'idée du Forum africain Sport Tourisme, c'est aujourd'hui profiter de cette belle fête qu'est la Coupe d'Afrique des Nations pour pouvoir mettre en avant le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire. Comme vous savez, on a 6 villes qui accueillent la CAN. L'industrie du sport mondial génère d'importants revenus et l'Afrique dotée d'une population jeune et d'athlètes talentueux est bien placée pour bénéficier d'une croissance significative dans ce secteur. Le forum vient combler ce manque à gagner en se basant sur le potentiel ivoirien. Donc on a voulu créer ce cadre d'échange-là entre les légendes sportives, les agences étatiques, les collectivités territoriales pour que désormais, à marge de chaque compétition sportive, qu'on puisse savoir et saisir les opportunités que cela donne pour la promotion du tourisme. Le sport, en général, connaît un engouement remarquable avec une augmentation de l'industrie du sport en Afrique qui ne représente encore que 0,5% du PIB du continent contre 2% dans le monde et de 8% dans les 3 à 5 prochaines années. À l'occasion de cette CAN, nous avons pris l'initiative de faire de cette CAN, de valoriser le tourisme en Côte d'Ivoire, de valoriser la culture, de valoriser les aspects culinaires en Côte d'Ivoire. La CAN de l'Hospitality Côte d'Ivoire 23 qui tire vers sa fin est un exemple concret de la façon dont le sport peut agir comme un puissant levier pour stimuler le tourisme et l'économie en Afrique. Avec plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde, plus de 1,5 million de visiteurs et 5000 journalistes, cette rencontre a mis en lumière les opportunités et stratégies de promotion de l'investissement touristique en Afrique grâce au sport. On est venu ici pour faire la promotion du tourisme sportif au Cap-Vert. Faire en sorte de collaborer avec d'autres pays et inviter les personnes à venir participer au Cabo Verde Sports Festival qu'on organise au mois d'avril. Durant cette première édition du Forum africain Sport Tourisme, les plus de 250 invités ont été édifiés sur 3 thématiques, à savoir promotion du tourisme africain à travers le sport, sport africain ambassadeur légitime du tourisme et promotion de l'investissement touristique du sport. Tross Ekong, capitaine de l'équipe nationale nigériane, est un pilier de la défense des Super Aigles. Engagé sur tous les terrains, notamment à son poste de défenseur central et sur des séquences offensives de son équipe, le joueur de 31 ans compte 2 buts, mieux que certains attaquants. Il est auteur de l'unique but nigérien en demi-finale face à l'Afrique du Sud, un match captivant qui s'est soldé au tir au but 4-2. Le capitaine du Nigeria, Williams, réalise une Coupe d'Afrique exceptionnelle. C'est un vrai leader, c'est un meneur de troupes. Il a prouvé à chaque fois que le Nigeria a été en difficulté. Tross Ekong a été sélectionné pour la première fois en 2015 et comptabilise 6 buts. Le joueur du club grec PAOK Salonique est rassurant dans ses sorties défensives, imposant face aux attaquants adverses et doté d'une bonne relance après récupération de balles. Il fait sans doute partie des meilleurs défenseurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est désormais à une victoire d'une quatrième couronne africaine après celle de 1980, 1994 et 2013. Le Nigeria est une forte équipe. Elle a une stature de champion, mais en face, il faut dire que la Côte d'Ivoire revient de loin. Lors de la première confrontation, ce n'était pas les mêmes effectifs. On n'avait pas Aller à Dengra, on n'avait pas vraiment cette équipe-là qui est revigorée. Donc moi, je pense que c'est du 50-50. Et puis, faire la différence dimanche, c'est certainement par des attaques placées ou des coups de pied arrêtés. Tross Ekong disputera sa première finale de CAN le 11 février 2024. Il peut s'appuyer sur le plus expérimenté au poste, Kenneth Emero, vainqueur de la compétition en 2013 avec Simon Moses, l'ancien capitaine également présent dans l'équipe. La sélection nigériane va affronter la Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara d'Ebempe à partir de 20h. C'était le JT CAN avec Coris Banque Internationale. Coris Banque Internationale, la banque autonome. C'était le JT
JTCAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique Cannes. OneXBet, sponsor officiel de la Cannes. AGL, partenaire logistique du football africain.